Bernard Maniga qui a parlé dans le micro Hervé Noël. Comme participer au Conseil des ministres et que m'écrit, c'est pas seulement comme parler, m'écrit Premier ministre là pour dire que Jean-Baptiste Pasteur n'est pas conforme à l'engagement que l'été prend le 21 décembre. Un engagement, c'est que c'est pour HCT participer dans toute nomination importante de l'État, en particulier les ministres. Ensuite, ils ont institution en tant que la BRH. Nous pas d'accord avec Jean le fait là. Mais ça veut dire, c'est pas seulement que nous des deals, mais t'es écrit sous ça. D'accord? Mais ça veut dire que la suive, ça que accord du 21 décembre l'a dit, les palais de trois bagailles essentielles que pour la réforme de l'administration publique, pour nous la donne. Ensuite, il y a constitution et il y a conseil électoral provisoire. C'est trois points importants et de rappeler que dans tous trois points sérieux, nous-mêmes, HCT, nous gagnons pour nous participer. Vous parlez de ministre, est-ce que ça veut dire prochain gouvernement, HCT déjà impliqué dans la nomination ministre? Non, on n'a pas la donne jusqu'à présent, non. Non, il n'y a pas l'impression que c'est pas encore décidé la réforme du conseil des ministres. Mais en tout cas, nous-mêmes, nous pouvons la donne. Et en ce qui concerne local HCT, nous parler, nous plaignons pile, gouvernement pas oui. De nous. Oui, ben, quand on va jamais venir nous, je te viens nous, je te demande pour venir nous, t'as pas qui côté notre travail. Notre travail à l'étage de l'immeuble qu'on connaît probablement du ministère du Commerce. Le cinquième étage, au Banoni, mais c'est un étage. Il n'y a pas d'entrée personnelle, il n'y a pas de sortie personnelle, ascenseur, en pile, bagaille qui n'est pas conforme à ce qu'on te croit que je suis capable de nous et pour nous fonctionner normalement. C'est vrai. À quoi 21 décembre 2022, qui t'est dit clairement à partir de 7 février, et mandat et pour le ministère Abgué pour le bout, est-ce qu'il en est de même pour HCTA qui est compréhension par rapport avec ça? Est-ce que c'est l'autre accord qui pourrait le mettre campé pour nous? Pas qu'on est qui ça y aura le fait sur ça. Pas qu'on est. Mais cependant, c'est vrai que nos documents du 21 décembre, là, qui ont document officiel public, qui est publié dans le moniteur, ça pourrait effectivement. Mais cependant, qui ça veut dire pour le 7 février 2022-2024, c'est que l'autre président qui montait. Mais pour être évident qu'aucune disposition pour comprendre, pour faire élection, pour organiser les élections, créer un autre conseil électoral, faire élection, proclamer résultat et que l'autre président a pris en charge. Nous ne pouvons pas ça du tout. Donc, ça capable de dire, c'est que du point de vue du HCT, nous constatons qu'il y a un retard considérable dans Jean Poubaïoté fait et que nous-mêmes n'avons pas capable de dire que le 7 février, il y aura des changements. Donc, ça veut dire qu'on est de même pour HCT à partir du 7 février, nous ne pouvons pas connaître HCT à tout? Non, probablement, oui, parce que nous-mêmes, nous serions vraiment un délai. Et un délai qui était peut-être raisonnable, là, il était créé HTT, mais qui l'ont regardé qu'on y a, ce qui a été fait réellement pour que les laissent les observer, ça n'a pas été fait. Donc, nous dit que nous pas quoi que, ça pas dit que HTT a prêté. Mais, ça a été prévu pour le 7 février, il va pas fait. Dans l'intervalle, nous apprenons pour le ministre à engager quelques acteurs pour les mettre campé en l'autre accord. Ah, m'a connaît.